Salut à tous. Bon, alors là j'ai sorti la 3D. Eh ouais, première sortie de mes mères. Donc voilà, bon. Alors je vous explique pourquoi j'ai sorti la 3D. Vous allez vite comprendre. Regardez. Il est là. Et celui-là, il est mal placé. Il est très mal placé. Donc voilà. Donc, je vous pose ici. Je commence par enlever les morceaux de bois qui sont sur le carton. Tiens, on va d'abord essayer d'aller voir si on le voit par là. On le voit par là. Par là. Oh. Serait-ce ce que je perçois là? Marron clair? Ça serait si gros que ça? Oh. Donc voilà, on le voit par là. Est-ce qu'on va le voir par là? Avec le flash, je ne suis pas sûr. Non, là on voit bien la belle araignée, la belle toile d'araignée en forme de tunnel en haut. Voilà, mais on voit pas les frelons. Bon, donc voilà. Donc ça va être la grosse surprise. Je sais pas du tout comment c'est fait, je sais pas du tout comment il est. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait péter ma copine la 3D. Ouais bah ouais, vous commencez à me connaître, vous savez bien que moi, sans la 3D, je suis pas grand chose. Alors je contrôle pour voir ce que vous voyez, vite fait. Ouais, c'est pas mal ce que vous avez en visu. Et là je sens que ça va attaquer. Je sens que ça va attaquer, donc bon. Alors. Là. Voilà. Alors, j'essaie de voir ce que ça donne. Allez, je vous emmène voir Pépère. Je suppose que vous voulez le voir. Hein? Je suppose que vous voulez voir comment il est fait. Hop. Je prépare un petit support pour vous. Donc, c'est bien. C'est bien la poser là. Coucou les filles! Elles sont pas contentes. Non. Elles sont pas contentes. Hop, il y a du monde, dites donc. Il y a un petit peu de monde. Paf. Toi, t'es mort. Crac. Au suivant. Coucou. Ah. Pas content. Maintenant pas content. Le sont fous. Le sont tous fous. Le sont tous fous. Regardez-moi ça. Eh, vous avez vu? Juste un petit toc toc toc. Hein. Je les ai agacés. Ah. Alors. Vous avez vu combien qu'ils sont? Vous avez vu comment ils sont méchants? Vous allez voir la taille du nid. Celle-ci, c'est une folle. Hop, voilà, elle est morte. Elle est deux à la main, hein, les gars. Le prochain, au suivant. Raté.
La calotte. Toi, t'es morte. Hop là. Oh. Mais c'est qu'il y a du monde, hein. On recommence. Un truc qui se pose. Allez, deux d'un coup. Tac. Non, raté. Alors là, vous imaginez si c'était le propriétaire qui jouait comme ça? Je vous explique même pas, moi. Là, ça va, je suis bien équipé. Mais ça, en vareuse, n'y comptez pas. Hein. La tenue apicole pour faire ça, c'est mort. Hein. Sur place, t'es mort. Je vais vous tuer, tous, un par un. Votre défaut, c'est de voler en stationnaire, les gars. Et si ça continue, je vais le faire sans produits chimiques, hein, juste avec mes mains. Bon, on va voir s'il y en a d'autres. T'es raté. Je suis fort à ce jeu-là. Il y en a encore deux. Je les vois. Ah non, c'est la mama. C'est la mama. Je vais vous la faire voir. Attention, il est très très gros. Ouais. Il est horriblement gros. Tant, 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 tant. Tant, 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 tant. Vous la voyez là? Ça, c'est mama. Et mama, elle est en train de refaire le nid et elle est en train de se demander pourquoi ses filles sont pas là. Voilà, regardez donc. Vous allez voir. En fait, il est pas gros. Hein. Tenez, je vous approche un max. Vous voyez? Avez-vous vu ça? Elle est belle. Hein. Elle est belle quand elle travaille. Hein. Ouais. Elle est super belle. Mais bon. Donc là, je vous explique. Un coup de pichet. Mais alors, pichet. Tout petit. Un tout petit pichet. Et puis comme ça, on laisse le nid sur place tranquillement. Je vais essayer de vous mettre dans un endroit où vous n'allez pas trop bouger. Hop là. Voilà. Après, on le laisse en place tranquillement. Et puis ben moi c'est vu avec le propriétaire. Il l'enlèvera. Bah je peux pas vous régler comme ça. Je sais pas si je vais réussir à vous mettre droit par contre les copains. On va tenter de vous stabiliser sur le nid. Vous voyez là ou pas? Non, vous le voyez pas. Là. Voilà. Donc voilà. Donc là un petit coup de piche. Juste histoire que toutes les ouvrières qui sont parties reviennent au nid, prennent de la poudre et meurent. Et il est pas gros, hein. Regardez. Regardez la taille de ma main. Bon, toi. Faut pas que je m'arrête. Surtout pas avec ce gant-là qui est déchiré. Ouais, bah l'autre est pas mieux. C'est con, hein. Mais j'ai des gants sur la combi, ils sont moitié morts. Elle n'est pas contente quand j'arrive.
Ça y est, elle est rentrée. T'en veux un petit peu? Hop. Là. Donc voilà. Bon. Eh ben ça c'est fait les amis. Il est pas gros. Oh, il y a encore mes mères. Je suis en équilibre, j'aime pas ça, j'ai pas voulu faire tomber. Et là, mes mères, si je pouvais l'attraper. Si je t'attrape, je te mange. Non, je la mange pas, je la tue. Mais si, je reviens, j'ai ce qu'il faut. J'ai mon bocal. On va faire un bocal. J'ai le bocal. Hop. Si je me trompe pas, il est dedans. C'est ça. Donc là, il reste l'attache du nid, juste ici. Un petit coup de piste, comme ça quand ils vont revenir, ils vont s'en prendre, ils vont mourir et on n'en parlera plus. Voilà. Ce petit coup de piste, c'est ça. Voilà. Coup de piste. Ça c'est fait. Donc voilà. Ah. Mes mères, elle a déjà eu le droit à la poudre. Allez, toute blanche, ça va pas durer. Allez. Surtout, ce qu'on n'oublie pas, c'est de faire ça. Là. Voilà. Tac. Tac. Et voilà, pourquoi j'ai fait ça? Bon, d'une, pour le client, je lui ai remis son matériel en place. Et deux, parce que quand les frelons ils vont arriver là, ils vont retrouver l'entrée. Donc automatiquement, ils vont redescendre pour aller là où était le nid. Et automatiquement, ils vont mourir. Tout simplement. Ils vont prendre la poudre que j'ai mis à l'emplacement du nid. Et ils vont mourir. Et puis voilà. Bon, bien sûr. Vous avez vu, c'est une cuve à vin. J'ai pas traité au pire à la permétrine, j'ai traité au pyrètre. Comme ça, le monsieur, sa cuve, dans 72 heures, il la prend, il la fout dehors en plein soleil. Le soleil va détruire le pyrètre qui a tué. Hein, et après, il va bien rincer sa cuve. Et comme ça, il pourra s'en servir. Voilà. Donc. Là, on est dans un lieu, bien sûr, clos. J'étais dans un tonneau qu'on aurait pu, dire, bah, c'est fermé, on peut y aller au pyrètre, on évite. Sinon, si on y va au pyrètre, le monsieur,
Son tonneau, il est mort. Ça ne servira plus jamais. À la périmétrine, excusez-moi. Si on y va à la périmétrine, il ne pourra plus s'en servir. Avec la rémanence, au moment des vendanges, c'est foutu. Tandis que là, avec le pyrètre, il va le prendre. Il va le reposer juste ici. Ça suffira. Et comme ça, il enlève le carton de dessus. Les UV vont taper sur la poudre. Ça va tuer le pyrètre que j'ai dedans. Et donc, il restera du talc et de la silice. Il nettoie bien à l'eau savonneuse. Il est tranquille, il peut se resservir. Tout simplement. Allez, ciao, à la prochaine. Bon courage.